Tout le monde est concerné par le sida. Un rapport sexuel sans préservatif avec une personne séropositive, c'est-à-dire qui vit avec le virus du VIH, vous expose à l'infection. Être séropositif, cela ne se voit pas sur le visage. Seul un test permet de savoir qui est infecté. Beaucoup de gens à Maurice sont séropositifs et ils ne sont pas toxicomanes, ni prostitués, et ni homosexuels. N'importe qui peut contracter des virus et contaminer d'autres personnes. Il y a peu de risques car le virus du sida est très fragile et dès qu'il est à l'air libre, il meurt. Pour se déplacer d'un corps à l'autre, le virus a besoin d'un véhicule. Donc c'est-à-dire les sécrétions masculines, le sperme, entre autres, les sécrétions féminines, le sang, le vent de la mer, pour une femme enceinte. Il faut ensuite une porte d'entrée chez vous pour laisser passer le virus. Les portes d'entrée sont les muqueuses sexuelles, c'est-à-dire le sexe de l'homme et de la femme, l'anus, la bouche, les plaies profondes, une injection avec du sang. Donc, en ayant simplement du sang sur votre peau, le virus ne peut pas rentrer. Cette pratique, est particulièrement risquée si on n'utilise pas de préservatif. L'anus est très fragile et la transmission par la muqueuse de l'anus est une porte d'entrée très facile pour les virus. Il convient donc d'utiliser un préservatif pour cette pratique sexuelle. Le préservatif à ce jour reste le seul moyen de vous protéger lors d'un rapport sexuel. Son utilisation peut être plus agréable avec l'emploi du gel et lubrifiant. Le préservatif est fiable à 98% s'il est bien utilisé. Il y a peu de chances d'attraper le virus si vous êtes fidèle l'un à l'autre et surtout si vous n'avez pas eu d'autres partenaires avant. Par respect et par amour, chaque couple peut effectuer un test gratuit et anonyme du VIH pour s'assurer que le départenaire soit négatif. Vous pouvez aussi envisager ce test avant le mariage, par exemple. Si on ne suit pas de traitement, notre espérance de vie peut s'abaisser à 10 ans. Avec un traitement, on peut espérer vivre 35 ans ou plus, bien sûr, dépendant de la personne. Non. Il y a des essais de vaccins actuellement. Il s'agit d'un vaccin préventif, donc qui empêcherait quelqu'un d'attraper le sida. La recherche doit continuer afin de donner espoir à toute une population fortement exposée.